peux serrer la main de ton voisin et dire combien tu es content de l'avoir au milieu de nous ce matin. Il est pour toi et pour nous tous une bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais saluer la présence de chacun de vous, saluer la présence de Dieu ce matin. Ce jour est un jour particulier. Vous savez, chaque jour est un jour particulier. J'ai l'habitude de dire que ce dimanche ne reviendra plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Si nous réalisons cela, nous allons faire notre mieux pour adorer Dieu, pour le louer. Quand on sait que lorsque le film de ce dimanche va être diffusé au ciel, si vous êtes absent, vous allez manquer beaucoup de choses. Il ne faut jamais rater ce que Dieu fait. Nous l'avons l'habitude de le dire. Seigneur, nous ne savons pas ce que tu vas faire en cette saison, en ce jour, en ce mois d'août. Mais ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Je ne sais ce qui va se passer à Bethel durant ce mois d'août. Mais je veux être un acteur, pas un spectateur, mais un acteur. Dis à ton voisin, sois un acteur dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, nous lisons, nous ouvrons nos Bibles au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il est important de savoir que le diable est rusé. Il a beaucoup de ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est important pour nous chrétiens de savoir qu'il y a des esprits méchants, caractérisés par la méchanceté, et bien dans les lieux célestes. Ces esprits sont contre le peuple de Dieu, sont contre Dieu. Alléluia. Verset 13. C'est pourquoi, puisqu'il existe des esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent notre destruction, l'apôtre Paul préconise ceci. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Pas quelques armes, pas quelques-unes. Mais l'apôtre Paul dit, toutes les armes de Dieu. Ne prenez pas une arme, ne prenez pas deux armes, alors qu'il y a plusieurs armes. L'apôtre Paul donne un conseil ici à tout chrétien de Bethel ce matin, à quiconque m'entend ce matin. Je suis en effet son porte-parole. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez aucune arme à côté. Ne me prisez aucune arme. Ne prenez pas deux armes et laissez les autres. Prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenons toutes les armes de Dieu. Prenons toutes les armes de Dieu. Je veux me faire comprendre ce matin. Il ajoute ceci. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il arrive dans la vie de chacun de nous au mauvais jour, au mauvais temps, une mauvaise saison. Ça arrive à toutes les familles de la terre. Ça arrive même à toutes les églises de la terre. Ça arrive à toutes les femmes de ce monde. Ça arrive à tous les hommes. Ça arrive à tous les jeunes. Un mauvais jour. Un mauvais jour. Au jour où tu as eu l'impression que le ciel s'est fermé au-dessus de toi.
Le jour où tu as eu l'impression que Dieu ne t'entend plus, ou ne t'écoute pas, ou ne te voit pas, tu as l'impression que l'enfer s'est déchaîné contre toi. Tu as l'impression que tous les démons, qu'il a une coalition de démons contre toi, contre ta santé, contre ta famille. Il arrive souvent dans la vie des hommes que nous sommes un mauvais jour. Mais Dieu donne la solution par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister quand le mauvais jour va arriver. Quand le mauvais jour va arriver, tu auras suffisamment d'armes pour ta protection, mais aussi pour attaquer le monde des ténèbres qui s'encharne contre toi. Tu auras de quoi te défendre, mais tu auras aussi de quoi mener le combat spirituel. On a fait du combat spirituel une doctrine. D'autres en ont fait même une dénomination, une église ou un mouvement religieux. Mais le combat spirituel est une réalité spirituelle dans la vie de chaque chrétien. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un mouvement dénommé combat spirituel pour comprendre et pour savoir que tu dois mener ce combat. Alléluia. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme sans bouger, de tenir ferme sans être bailloté de gauche à droite, de tenir ferme avec le Seigneur. Nous devons nous tenir ferme. Le mauvais jour va arriver, mais le mauvais jour ne doit pas nous emporter. Le mauvais jour ne doit pas nous éloigner de notre vie spirituelle, de notre communion avec les frères et sœurs, de notre communion avec l'Église, ni de notre communion avec le Saint-Esprit. Le mauvais jour est comme un vent violent. Mais la Bible nous dit, si nous prenons toutes les armes de Dieu, nous pourrons tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia! Nous allons tout surmonter. Surmonter les échecs, surmonter la maladie, surmonter les problèmes, surmonter l'adversité, surmonter l'opposition, surmonter toute attaque de l'ennemi, surmonter toute épreuve. Alléluia. Verset 13 et 14. Je ne suis pas encore arrivé au cœur de ce verset qui fera l'objet de ma prédication. Je ne suis qu'à l'introduction. Tenez donc ferme. J'aime quand l'apôtre Paul répète cette expression, se tenir ferme sans jamais bouger. Il fait référence ici à la stabilité chrétienne. Être stable dans sa foi, être stable dans sa marche avec Dieu. Je parlais avec quelqu'un ce matin, je lui ai dit, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné deux pieds, c'est pour que nous puissions marcher avec stabilité. Quand nous perdons un, c'est là où nous réalisons son importance. Nous réalisons que Dieu est un véritable architecte. Regardez comment il a créé l'homme. L'homme est un être physiquement stable, physiquement équilibré. Et Dieu attend maintenant que nous soyons spirituellement stables, spirituellement équilibrés. Dis à ton voisin, sois équilibré. Dans ta marche avec Dieu, sois équilibré. Dans ta marche avec Dieu, reste ferme. Dans ta marche avec Dieu, reste debout. Alléluia. Restons fermes. Soyons stables. Que l'on puisse compter sur toi pour toutes choses. Et savoir qu'en coup de route, tu ne vas pas jeter l'éponge. Alléluia. Restez donc ferme. Le mauvais jour arrive, mais si tu as toutes les armes de Dieu, tu vas rester ferme. Si tu es équipé, tu vas rester ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est tout un message, cette vérité pour ceinture. Mais on ne parlera pas de ça ce matin. Revêtez-vous la cuirasse de la justice.
Voilà notre message puissant. Mais on ne va pas parler de ça. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Si nous avons reçu l'évangile ici, c'est parce que d'autres avant nous, avant que même nous n'acceptions le Seigneur, avant que nous connaissions le Seigneur, ont mis pour chaussure à leurs pieds le zèle que donne l'évangile. Je me souviens des premiers missionnaires qui sont arrivés en Afrique. Beaucoup d'entre eux, j'ai visité les cimetières de nos missionnaires au Burkina Faso, la Haute Volta à l'époque. Ils étaient tous tués par le paludisme, la malaria. D'autres ont été mordus par des serpents, ils sont morts. Ils avaient demandé d'être enterrés au Burkina Faso. Ils ont payé un grand prix pour que l'évangile puisse arriver jusqu'à nous. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, ou peu. Ils ont bravé des longues distances. Ils ont quitté l'Amérique. Je me souviens de l'entrée des assemblées de Dieu en Afrique par le Burkina Faso. Pendant une réunion de prière, une prophétie est sortie. Je vous envoie au pays, j'ai oublié le terme, mais le pays des Monsi. Voilà, merci beaucoup, le pays des hommes intègres, merci ma soeur. Et là, ils cherchaient dans la carte du monde où se trouvait ce pays, qui n'existait pas à l'époque, puisque bon, c'était une appellation traditionnelle. Mais à force de chercher, ils ont fini par trouver que c'était en Afrique de l'Ouest et dans le Burkina Faso. Ils ont pris des bateaux, ils sont arrivés là pour prêcher l'évangile. Ces hommes et ces femmes avaient quelque chose. Ils avaient ça. Demande à son voisin s'il a ça. Ils avaient ça. Ils avaient ça. Tous sont morts. Le premier qui a amené l'évangile au Sénégal ici. Le missionnaire était établi dans le Sénégal oriental. Et il avait un petit avion. Et les missionnaires s'étaient organisés ils achetaient du pain ici à Dakar, de la farine. Et c'est avec ces petits avions, on les larguait la nourriture. Parce que les coins dans lesquels ils étaient, il n'y avait pas d'aérodrome ni d'aéroport. Et les voitures même, il n'y avait même pas de route. C'était des zones inaccessibles et on les larguait la nourriture. C'est comme ça qu'ils vivaient. Et ils avaient ça qui nous manque aujourd'hui. Mais je ne vais pas prêcher sur ça. Donnez-moi le verset 16. C'est tout un message aussi. Mais je ne suis toujours pas arrivé à ce que je voudrais dire ce matin. Prenez par-dessus tout. Je suis arrivé maintenant au cœur de ma lecture biblique. Par-dessus tout, c'est-à-dire si vous avez toutes ces armes, c'est très bon. Mais il y a une arme placée au-dessus de toutes les armes. C'est le bouclier de la foi. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela, après tout cela, prenez aussi le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Que quelqu'un dise le bouclier de la foi. Ce mois de tout est un mois de la foi. Nous parlons de la foi. Que tout le monde nous comprenne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le mois de la puissance de la foi pour ton établissement. Tel est le thème du mois et je parle de ça ce matin. La puissance de la foi pour ton établissement. Et nous disons, le mois d'août, c'est le mois de la foi. La foi de quelqu'un doit augmenter. Alléluia. Ta foi doit passer d'un niveau à un autre niveau. Ta foi doit progresser. Une fois ici, je vous ai parlé des différentes étapes de la foi. La foi incrédule. La Bible dit, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent.
Et cette foi fait trembler. Mais combien cette foi aujourd'hui est en vogue dans le monde, même dans l'église, les chrétiens tremblent devant tous les obstacles. Ils tremblent devant l'adversité, devant l'opposition. Nous avons des chrétiens qui tremblent. Alors que ceux qui tremblent appartiennent au monde du ténèbre. C'est les démons qui associent la peur à la foi. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent, les démons. N'ayez pas cette foi. Sortez de ce type de foi. Elle est diabolique. Elle est satanique. Elle est démoniaque. Cette foi appartient au monde des démons, au monde des esprits méchants. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Aujourd'hui, on tremble devant la maladie. On a dit, diagnostiquer un petit cancer, tu vois déjà la mort. Tous les démons de la mort. Tu ne dors plus. Où est ta foi? On a diagnostiqué un petit fibrome. Je n'ai jamais compris. Mais on a diagnostiqué une petite fibrome là. La nuit quand tu dors, tu vois déjà ton ventre gonflé. Quand c'est comme ça, dans 2 jours, 3 jours, tu vois effectivement ton ventre commence à gonfler. Parce que tu as conçu ça. Tu as conçu ça. Tu as rêvé ça. Tu as voulu ça. Tu attires ceux qui croient et qui ont peur. C'est ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent. Puisque c'est les démons qui croient en Dieu, mais qui ont peur. Et toi, tu as une foi qui a peur. C'est la foi des démons. Le lendemain, les démons viennent s'associer avec toi. Voilà comment le monde spirituel fonctionne. Et vous rendez un grand service au diable et à ses démons. Vous les permettez d'être plus actif dans votre vie. Vous le permettez de gagner du terrain dans votre vie. Parce que vous avez une foi qui a peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quitte ce niveau de foi. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. La foi n'aime pas la peur. La foi est incompatible avec la peur. La peur, c'est comme le soleil sur la glace. Ça empêche la foi d'agir. N'ayez plus peur. Vous avez peur de quoi? La Bible dit, recherchez quoi? Prenez par-dessus tout. Il y a un bouclier contre la maladie. La progression de la maladie, l'établissement de la maladie, il y a un bouclier qui s'appelle la foi. Plutôt que d'avoir peur, prends le bouclier. Prends le bouclier. Beaucoup d'entre vous ont peur d'aller au village. Ont peur même de rendre visite à leurs parents au village. Pourquoi? Elle dit non, là-bas, là, la sorcellerie, là, c'est en plein jour, hein? On t'attaque même. On peut attaquer tout le monde. Mais toi, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Tu es un homme de foi ou tu ne l'es pas? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur de la sorcellerie? La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier. Il y a un bouclier qui existe contre la sorcellerie. Si vous avez la foi, vous avez quoi empêcher à la sorcellerie de vous atteindre? Vous avez quoi empêcher la maladie de gagner du terrain? On vous fera la guerre. La maladie peut vous attaquer, mais elle ne vous atteindra pas à ce niveau-là. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Mais une guerre dans laquelle tu sais net que tu vas t'en sortir victorieux. Est-ce que tu as droit à avoir peur? Si l'armée américaine et l'armée sénégalaise se confrontaient là,
Est-ce que les Américains ont le droit d'avoir peur? Nous, on a quelle bombe atomique à lancer depuis Dakar pour atteindre Washington? Hein? Depuis là-bas, ils vont nous filmer dans nos toilettes. Mais nous, depuis ici, c'est des cailloux. On va jeter là. Les cailloux vont arriver où? Les cailloux vont arriver où? Vous avez entendu parler de la guerre des pauvres, non, dans l'histoire? Là, hein? Je ne vais pas dire les deux pays. Il y a deux pays africains qui ont une fois fait la guerre là. On l'appelle la guerre des pauvres là. Je crois que le premier pays a envoyé un char, le char est tombé en panne. Le seul char qu'ils avaient. Le deuxième, je crois le char est arrivé, mais dès qu'il est arrivé, je crois que ça ne fonctionnait pas. Et ils ont fini par se jeter des cailloux. Et le lendemain, le problème était réglé. Ça s'est passé ici, ces deux pays ouest-africains. Ici même à côté de chez nous là. Que Dieu nous aide. Le rapport de force n'est pas le même entre nous et le monde des ténèbres. Nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs, nous sommes mille fois plus puissants. Le monde, l'enfer va jeter des missiles, mais ces missiles vont buter sur la foi, le bouclier de la foi. J'ai cherché un bouclier ce matin, c'était pour représenter ce que je dis, je n'ai pas trouvé. J'ai voulu fabriquer, mais j'ai eu l'idée, c'était trop tard. Et fabriquer un bouclier pour expliquer à ceux qui sont là à croire, à comprendre qu'aucune arme de Satan ne peut nous toucher en réalité si nous nous sommes armés de ce bouclier de la foi. Et que nous n'avons pas le droit d'avoir peur, de vivre avec la peur au ventre. Il suffit que nous ayons une petite information et puis on panique. On perd la foi. Il y en a même qui ne viennent pas à l'église le dimanche qui suit. Il y a eu les élections, les gens avaient commencé à avoir peur. Il y a eu même des missionnaires blancs qui ont quitté Dakar et qui sont rentrés. J'ai parlé avec un, je lui ai dit reviens. Quand j'ai appris qu'il est parti, je lui ai dit reviens ici, il n'y aura rien. Il dit ah, c'est pas sûr. Ma mission, même l'ambassade, notre ambassade a demandé qu'on quitte Dakar. J'ai dit, et nous, nous ne sommes pas vos frères. Nous ne sommes pas vos frères. Je croyais que tu allais accepter de même de mourir avec nous. Si nous, on doit mourir, tu allais devoir mourir avec nous. Il avait peur. J'ai compris qu'il avait peur. On ne tenait pas le même langage parce que lui, il avait la foi qui a peur et moi, j'avais la foi qui n'a peur de rien. Oh, je bénis Dieu récemment. Les terroristes ont attaqué un pasteur, une église des assemblées de Dieu au Burkina Faso. Ce vieux pasteur de 80 ans, ils lui ont amené dehors derrière l'église pour lui dire de renoncer à Jésus, de confesser Mahomet. Eh bien, ils vont le laisser en paix. Il leur a dit, ce Jésus-là, que j'ai connu, j'étais tout jeune. Je lui ai servi, je lui ai donné toute ma vie. Aujourd'hui, je suis à 1 centimètre du tombeau. Vous me demandez de l'abandonner? Faites vite, je vais le rejoindre au ciel. Faites vite, ce que vous avez à faire, faites-le vite. Faites-le vite. Faites-le vite, j'ai envie de le rejoindre. Ça, ce sont des héros. J'ai envoyé un message au président des assemblées de Dieu du Burkina. Je lui dis, ajoutez-moi cet homme dans Hébreux chapitre 11. Au ciel, je vais expliquer à Dieu pourquoi j'ai fait cette demande. Qu'on ajoute son nom dans la liste des héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Vous vous souvenez de cette femme à Bangui? Elle s'appelle, je crois, Madeleine, quelque chose comme ça, du nom de mon épouse. C'est pourquoi je n'oublie pas son nom, cette femme. Elle a été nommée ministre. On lui a demandé de prêter serment et de jurer au nom d'Allah. Elle a dit, que Dieu m'en garde de jurer au nom d'Allah. Allah n'est pas mon Dieu. Je préfère perdre ce poste ministériel que de prononcer son nom à cette occasion. Elle a été démise de ses fonctions. Et plus tard, elle a été rappelée. Parce qu'ils ont cherché quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un comme elle.
Ça s'est passé l'année passée. J'ai diffusé pendant un message ici, j'ai diffusé son témoignage, sa déclaration ici. Ça s'est passé là à Bangui, en Centrafrique. Les médias du monde entier en ont parlé. Ah, c'est au Tchad, voilà, excusez-moi, c'est au Tchad. Les médias du monde entier en ont parlé. J'ai dit, cette femme, elle a ça. Elle a ça. Où sont ces hommes et ces femmes qui ont encore ça? Qui ont ça? Ça, c'est la foi. Ça, quand on l'a, il faut le garder. Il faut le préserver. C'est pourquoi Paul met cette arme au-dessus de toutes les armes spirituelles. Il cite plusieurs armes, mais il ajoute, il dit, prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Quittez la foi incrédule. Quittez la foi démoniaque. C'est la foi démoniaque qui fatigue l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est la foi démoniaque qui fatigue l'église de Jésus. Le pourcentage de ceux qui ont cette foi devient de plus en plus important dans l'église. Lorsque les gens commencent une affaire et ils échouent, lorsque tu veux commencer la même affaire, ils viendront vers toi parce qu'ils ont maintenant la foi incrédule. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Oups, ça ne va pas marcher. Oublie ça. Ça ne va pas marcher. Moi-même, je l'ai fait. Et ils vont commencer à te donner la liste de tous ceux qui ont fait la même affaire et ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec eux que ça ne marchera pas avec toi. Je veux que tu crois que dans chaque affaire, dans toute affaire, tu seras une exception. Je serai une exception. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué. Quand je devais commencer l'église à Kaffrine, un missionnaire américain qui venait de faire 20 ans dans la ville est venu à ma rencontre. Il m'a dit, yeah, pasteur Félix, il ne faut même pas essayer. Surtout, ne projette pas le film Jésus, ne parle pas de Jésus. Nous avons commencé avec Abraham. On n'est pas encore arrivé dans le Nouveau Testament. J'ai dit, depuis 20 ans, les hommes meurent, ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Abraham ne sauve pas. J'aime beaucoup Abraham parce qu'il est le père de la foi. J'aime Moïse qui a libéré Israël. J'aime Josué qui a fait entrer Israël dans sa terre promise. J'aime Gédéon. J'aime Joseph. Mais ce n'est pas Joseph qui nous sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous sauve. Nous sommes sauvés par le sang qu'il a versé à Golgotha. Alors parlez-moi de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi de Jésus. L'évangile doit rester christocentrique, centré sur la personne, la seule personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit à ce missionnaire, j'ai la conviction que cette fois-ci, et avec moi, ça va marcher. Ça va marcher. Nous avons, votre erreur a été de ne pas parler de Jésus. Car Abraham a mené une vie de combat, mais Abraham n'a aucune puissance contre les forces des ténèbres. On ne peut pas chasser un démon au nom d'Abraham. Vous avez une fois vu ça? Au nom d'Abraham, sort! Il ne sortira pas. Au nom de Moïse, quitte! Il ne quittera pas. Mais lorsque tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Gabriel, Michaël, toute l'armée de Dieu, les chérubins, les archanges, les anges se lèvent avec leur épée. Et l'enfer est dans un désarroi total. Et Satan est obligé de rappeler ses démons. Venez ici. De peur que vous ne connaissiez une humiliation. Et ils sont obligés de lâcher prise. Ça, c'est le nom de Jésus qui le fait. C'est le nom de Jésus qui le fait. C'est pourquoi, oui, la foi. Mais la foi en quelqu'un, en un seul homme, Jésus de Nazareth. La foi en Jésus de Nazareth. Nous avons prêché Jésus.
L'église est née à Kaffrine. Nous avons prêché Jésus. L'école a été établie à Kaffrine. Nous avons prêché Jésus. Les musulmans ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Et ils ont prêché Abraham. Les gens ne se sont pas donnés à Jésus. Ils se sont donnés à Abraham. Mais comme Abraham ne sauve pas, ils sont restés musulmans. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Alors ce n'est pas parce que pour tel ou tel autre, ça n'a pas marché qu'avec toi ça ne marchera pas. Non. Tu es une exception. Ton cas est particulier. Tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. J'aime quand dans Romains chapitre 1 verset 17, l'apôtre Paul dit, le juste vivra par la foi. Le juste, il marchera par la foi. Il parlera par la foi. Et j'aime quand verset 6 de Hébreux 11, il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Impossible, impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Parler de la foi incrédule, la foi, la petite foi, mais aussi la grande foi que Jésus a eu à célébrer plusieurs fois. L'apôtre Paul continue en disant, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Vous pouvez les éteindre. Éteindre quoi? Les traits enflammés du malin. Alors nous comprenons par là. Nous savons que par là que l'apôtre Paul avait compris ce que beaucoup de gens de sa génération n'avaient pas compris. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas encore. Et il a écrit pour cela. C'est pourquoi lorsque vous lisez les écrits de Paul, votre foi augmente. Parce que vous lisez la vie de quelqu'un dont sa foi était arrivée à un niveau exceptionnel. Avec l'apôtre Jacques, ils ont eu des chevauchements, des incompréhensions à des moments. Puisque Jacques disait, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montre ma foi avec les œuvres. Mais pour Paul, le juste vivra par la foi. Et si nous avons connu la réforme protestante, évangélique, pentecôtiste, que nous vivons aujourd'hui en tant qu'église pentecôtiste, église de réveil ou évangélique, c'est grâce aux écrits de Paul. Car Martin Luther, le réformateur, c'est cet épître de Romains qu'il méditait, qu'il lisait, qui a bouleversé sa vie au point qu'il a compris qu'en réalité, au-dessus de toute chose, il doit avoir la foi. Et il a mis la foi au-dessus du pape, au-dessus du Vatican. Il a été exclu pour créer ce que nous appelons aux églises, les églises réformées ou protestantes. Alléluia. Alors, n'eût été sa lecture, sa méditation des écrits de Paul qui l'ont mis en contact, en relation avec la véritable foi. Une fois on l'a, on n'a plus peur de rien. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il pouvait afficher 95 thèses sur la porte de Wittenberg en Allemagne pour dénoncer toutes les déviations de ce monstre. Qui osait défier cette église à l'époque? Qui? Il fallait avoir la véritable foi. La véritable foi. Cette foi ici, qui est présentée comme un bouclier, il fallait l'avoir. Et cette foi, Martin Luther l'avait. Il n'avait pas peur du pouvoir allemand à l'époque.
Ils n'avaient pas peur des représailles de Rome, du Vatican, du pape. Il a défié un jeune moine. Il a défié la plus haute autorité religieuse à l'époque. Toi, tu dis, tu as la foi. Qu'est-ce que ta foi produit? Qu'est-ce que ta foi fait? Où est-ce que ta foi t'amène? Ça t'amène à faire quoi? À arriver où? À accomplir quoi? Alléluia! Il te faut la foi. Il faut la foi. Et cette foi, cette sorte de foi, ce niveau de foi, Paul l'avait compris, l'avait saisi. Et il le partage dans tous ses écrits. Ce n'est pas alors surprenant que Paul ait écrit pratiquement la totalité du Nouveau Testament. Plus de la moitié du livre du Nouveau Testament. Lui seul, alors qu'il n'a pas vécu au temps de Jésus. Il n'était pas disciple. Il n'était pas un témoin oculaire des choses qu'il dit. C'est tout, il a tout reçu par révélation. Alors il est un chrétien de la même génération que toi et moi. Nous n'avons pas vécu au temps de Jésus. Nous n'avons pas eu l'opportunité de manger avec lui. De le voir physiquement. Paul ne l'a jamais vu physiquement. Il n'a pas été disciple de Jésus alors que Jésus marchait sur la terre. C'est par révélation. Alors je voudrais dire premièrement, Paul a compris que toute chose, parlant de la foi, Paul a compris que toute chose, et je voudrais que tu comprennes ça ce matin, toute chose, je dis bien toute chose, je vais être plus précis en disant toutes les promesses de Dieu s'obtiennent que par la foi. Ça, il faut le noter bien. Même si tu n'écris pas, n'oublie pas ça, note ça. Paraît-il, l'Africain, il a une forte capacité de mémorisation. Toute chose, toute promesse de Dieu s'obtient que par la foi. Il n'y a rien que tu peux obtenir de Dieu en dehors de la foi. Toute chose, toutes les promesses de Dieu s'obtiennent que par la foi. Rien ne s'obtient de Dieu en dehors de la foi. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs promesses. Des promesses de guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et si tu n'as pas la foi, il ne va pas te guérir. Cette parole ne va pas s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te secoue, qui te protège. Si tu ne crois pas, il ne peut pas te protéger. Il faut croire. Je suis l'Éternel qui te délivre. Il faut croire pour obtenir la délivrance. Paul et Silas croyaient à ce Dieu-là. Dans la prison, alors que les autres prisonniers pleuraient, eux, ils chantaient. Voilà l'attitude, le comportement d'un homme, une femme de foi. Quand les autres pleurent, vous vous chantez. Quand ils crient, ils poussent des cris de désespoir, de détresse, vous poussez des cris de joie. Parce que c'est la lumière et les ténèbres. C'est l'enfer et le ciel. Entre eux et nous là, il n'y a rien de commun. Amen. Il n'y a rien de comment? Quand ils pleurent, nous réjouissons. Et quand ils se réjouissent, nous pleurons. Toutes les fois que les gens du monde se réjouissent là, il faut pleurer. Si vous regardez bien les choses qui les amènent à se réjouir, à danser, à crier des cris de joie, c'est des choses qui doivent nous pousser à pleurer. Récemment, on a parlé de l'homosexualité au Sénégal. Je suis bien cette actualité-là. Parce que ça me permet de savoir où va la société sénégalaise. Il y a des voix qui se lèvent pour défendre les homosexuels dans ce pays. Dans ce pays. Il y a des gens qui pensent que c'est normal
dans ce pays. La Bible appelle cela confusion. Confusion. La Bible appelle cela abomination. Lorsqu'un homme va vers un autre homme, la Bible appelle cela abomination de la désolation. C'est plus grave que le péché. C'est-à-dire c'est un péché inqualifiable. Voilà la position de l'Église. Je le dis haut et fort sur cette estrade. Je le dis haut et fort. Toutes les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi. Promesse, tu veux voyager. Mais est-ce que tu crois? Hein? Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu vas voyager. Parce que la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Il a dit à Adam et Ève, et toi si tu es fils ou fille d'Adam et Ève là, hein, la terre t'appartient. Cultivez la terre et l'assujettissez là. Dominez là. Les frontières là, le Sénégal s'arrête ici, l'Amérique commence par là. Ce sont les hommes. Mais Dieu nous a donné la terre. Tu peux aller où tu veux, t'installer où tu veux, t'établir où tu veux, sur cette terre là. Maintenant, c'est une question, le reste maintenant, c'est une question de foi. Si tu crois, tu peux t'établir où tu veux sur cette terre des hommes. Maintenant, si tu ne crois pas, tu penses que tu es fait pour vivre à Dakar, mourir à Dakar, tu ne bougeras pas d'ici. Ça, c'est la foi incrédule des démons. C'est pourquoi ceux qui ont cru ça, les Américains autres qui ont eu la Bible avant nous, les Européens, qui ont eu la Bible avant nous. Ils ont exploré le monde entier. J'ai entendu de Christophe Colomb et autres. Les explorateurs, ils avaient la Bible en main. C'est ça qui les a guidés. La connaissance de la Bible, quand ils ont lu la Bible, pendant que nous étions derrière le bois sacré, dans la sorcellerie, l'idolâtrie, la méchanceté, dans notre village, si tu quittais même le village pour venir à Dakar, ils vont faire des gris-gris pour que tu reviennes. Et quand tu reviennes, on te fixe avec des gris-gris. Tu mourras là au village. Et c'était un peu partout comme ça en Afrique. Pendant que les Blancs exploraient le monde entier, la terre, pour voir où il y avait du pétrole, où il y a du diamant, où il y a de l'or. Où il y a des hommes forts. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé qu'il y avait des géants ici, des Goliaths. Ils les ont tous pris. Regardez comment les Américains, quand ils marchent avec le... Quand ils marchent avec le pantalon jean, là, ils écartent les pieds parce qu'ils sont gros. Ça, c'était les géants qui devaient développer l'Afrique. Les hommes forts ont été exportés. Ceux qui ont fait la prospérité aujourd'hui de l'Europe et de l'Amérique. Parce qu'ils avaient la Bible. Ils savaient que Dieu leur a donné. C'est vrai, même s'ils ont poussé jusqu'au-delà des limites. Mais reconnaissez que nous n'avons pas de limites. Nous avons parlé de la croissance illimitée, non? L'homme de foi n'a pas de limites. Ton pays n'est pas seulement le Sénégal. C'est les nations. Dieu dit, demandez-moi, demandez-moi. Maintenant, dépendant du niveau de ta foi, demandez-moi les nations. Non. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Quelqu'un ne me comprend pas. Si demain tu ne parcours pas le monde, ne dis pas que c'est la faute à l'église ou au pasteur Félix. Écoute-moi très bien. Je suis venu augmenter ton niveau de foi. Dieu dit, demandez-moi les nations. Les nations. Que quelqu'un dise les nations. Je veux les nations. Ah! J'aime les anglophones. Quand ils prêchent, ils parlent. Ils répondent. Ils réagissent. Et de cette réaction, il y a une connexion qui s'établit et qui produit le miracle. Nous sommes comme le mire là. Hein? Prenez les nations. De quelle nation s'agit-il encore? C'est pas possible. Ça, ils s'adressent aux autres là. Moi, je n'ai même pas de passeport. Qui t'a dit que Dieu a besoin de passeport pour te faire voyager? Qui t'a dit ça? C'est pourquoi à un moment donné, Jésus est fâché. Il dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il était fâché. Il regarde les gens, les disciples étaient là, comme des Africains francophones. Ils parlent de foi.
Il faut les amener à un niveau. Ils ne comprennent pas. Ils ne réagissent pas. Demandez-moi les nations. Ah, quand j'ai compris ça, Dieu, Seigneur, il n'y a aucun pays au monde qui va me refuser le visa. Et vous en savez, j'ai donné ce témoignage ici plusieurs fois. Aucun pays au monde n'ose me refuser le visa. Il y a des pays qui l'ont tenté. J'ai su que c'est des démons qui ont été derrière ça. J'ai débarqué chez eux. Parce que c'était des pays africains. Vous savez, tout dépend. Quand c'est pays européen, mais quand c'est en Afrique ici, là, c'est pas simple. Soit c'est des démons de ton village, soit c'est les démons du pays, soit c'est les démons même de ce pays qui ne veulent pas que tu viennes, tu prêches l'évangile chez eux. Les deux pays qui l'ont tenté. Le premier pays, c'est le pays de Robert Mugabe là. J'arrive à Cape Town en Afrique du Sud. Je dois continuer, toute la délégation doit continuer. On me dit, il faut retourner au Sénégal, faire le visa avant d'aller à... J'ai dit non, c'est pas possible. D'ici, je vais là-bas. Les gens me disent, non Félix, c'est pas possible. On ne va pas te laisser entrer. C'est la dictature. Je dis, je vais entrer. Quand nous sommes arrivés, nous étions un groupe de pasteurs. Je les ai mis devant. Laissez-moi seul derrière vous. Quand tous ils sont passés. Je savais que Saint-Esprit m'a dit, tu vas passer. J'arrive au policier, il m'a dit, il regarde mon passeport, je lui donne mon passeport. Il regarde, monsieur. Vous n'avez pas de visa? Je dis oui, et après, et alors, je suis africain, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas venu ici pour trembler dans vos rues là. Non. Je suis venu pour une mission, je termine, je retourne à Dakar. Il dit, mais il fallait déposer pour le visa, je n'ai pas eu le temps, je viens de l'Afrique du Sud. Il va aller demander son patron. Son patron lui dit, laisse le passer. Le deuxième pays, c'est le Cameroun. L'année passée, le Cameroun. J'arrive au Cameroun, pour moi, ça même, j'avais oublié même que maintenant on cherche le visa. Sincèrement, j'ai appelé le Jack Vincent Borgia, je lui ai dit que ça, c'était complètement... Lui-même, il a dit, il a complètement oublié. Pourtant, c'est lui qui prépare mes voyages, mais il avait complètement oublié que le pasteur devait chercher le visa. J'arrive là-bas, à l'aéroport d'abord, il m'a dit, mais vous n'avez pas le visa. J'ai dit, oh, laissez-moi passer, il n'y a pas de problème. On me laisse partir. J'arrive là-bas, on m'arrête. On dit, vous n'avez pas de visa. Une dame était excitée. Il dit, on va vous remettre dans le même avion qui vous a amené. J'ai dit, madame, vous n'avez rien compris. Dans le même avion. Et ça courait ça et là. Quand ils ont demandé au pilote, le pilote leur a dit que cette fois-ci, on a l'habitude de débarquer les passagers et retourner. Mais aujourd'hui, on a décidé de dormir. Et spécialement, on a décidé de dormir ici à Yaoundé. On ne quitte pas. Il revient, il dit, monsieur, vous avez la chance. J'ai dit, c'est la grâce que j'ai. Ce n'est pas la chance. C'est parce que vous ignorez ce que je transporte. Je ne suis pas venu en touriste là. Je suis venu prêcher l'évangile. Le pasteur qui m'avait invité est venu. Il a parlé avec eux tous. Il m'a dit, ok, tu peux sortir. Mais imaginez-vous, si l'avion ne devait pas dormir, on pouvait me mettre dans le même avion. Il n'y aurait pas ce temps. Mais Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. La foi, elle est vraie. Elle est vraie. Première fois, l'ambassade des États-Unis, c'est 10 ans. Et vous savez, quand tu as ce visa-là, partout maintenant, tu demandes. Dieu nous demande. Il dit, demandez-moi. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? C'est ça. Et comment est-ce que tu demandes? Parce que si tu demandes en doutant, si tu demandes en hésitant, si tu demandes en n'étant pas convaincu, tu n'auras même pas un village. Plus forte raison, les nations. Mais si tu demandes, la Bible dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, sans douter, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sans douter, il dit, tu le verras s'accomplir. Alléluia! Alléluia! C'est nous qui limitons Dieu. Notre Dieu est illimité. Et le temps est fini. Deuxièmement, Paul a compris que la foi ne fonctionne pas avec la vue. Non. La foi ne fonctionne pas avec la vue. La vue est un ennemi de la foi. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5,
6 à 8, il dit, nous nous marchons, pas par la vue, mais par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. L'ennemi, un des ennemis terribles de la foi, c'est la vue. Dès que tu vois la chose, eh bien, tu as peur. Mais Paul nous dit que de ne pas marcher par la vue, mais plutôt par la foi. Quand le général Nama a vu le Jourdain, il a vu la maison d'Élysée, il était découragé. Quand il a vu le Jourdain, il était encore plus découragé. S'il n'avait pas vu ça, si on allait lui chercher de l'eau, on lui donne, le prophète lui-même sort dans la brousse, il allait croire. Mais dès qu'il a vu la maison, il dit, un homme de Dieu ne peut pas habiter une telle maison. Il a méprisé. Ça, c'est le problème avec ce que tu vois. Combien de fois nous jugeons les gens par rapport à ce que nous voyons? Il y a une sœur est venue dans notre bureau. Je suis rentré avec des tapettes, avec un t-shirt et un pantalon. Quand je l'ai saluée, elle m'a donné les bouts de sa main. Et je salue le Jack Borgia, il vient se mettre debout, il dit « Bonjour pasteur !» Elle dit « Ah, c'est le pasteur! Bonjour !» Elle était gênée de la manière dont elle m'a salué. Donc elle m'a jugé selon l'apparence. Ne jugez pas les gens selon l'apparence. Ne jugez pas les gens selon l'apparence. Ayez la capacité de voir ce qui est à l'intérieur des gens. Soyez spirituel. Ne marchez pas par la vue, mais par la foi. La foi a des yeux spirituels qui sont capables. Un jeune homme est là aujourd'hui, il n'est rien, il n'a rien. Mais tu es capable de voir le géant qui sommeille en lui. Et tu décides de te marier avec lui. Et demain, le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Tout le monde te respectera. Mais si tu marches par la vue, tu vas voir quelqu'un en jeep, tu t'alignes avec lui là, tu vas le regretter amèrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose, c'est que Paul a compris que la foi est une arme redoutable. Et ça, il faut lire le verset 16 qui le dit clairement. La foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 32, le temps nous manque. Hébreux 11, 32, le temps nous manque pour parler de Gédéon qui a combattu et qui a gagné. Le temps nous manque pour parler de Barak qui a combattu à côté de, comment il s'appelle, Déborah. Le temps nous manque pour parler de Samson qui a déchiré un lion par la foi. Le temps nous manque pour parler de Jephté. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur Jephté ici. Le temps nous manque pour parler de David qui a déchiré, qui a tué, égorgé Goliath, le géant. Le temps nous manque pour parler de Samuel, ce grand homme de Dieu. Le temps nous manque pour parler de tous ces prophètes qui ont fait preuve de foi. Des hommes de guerre qui ont combattu par la foi, qui ont remporté des victoires. Alléluia. Inscris-toi sur cette liste. Mets ton nom sur cette liste. Moi, il y a de cela plusieurs années, j'ai mis mon nom dans la liste de Hébreux chapitre 11. Maintenant, le problème, c'est votre vue. Ce que vous regardez, ce que vous voyez. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous ne voyez pas Félix. Le problème, c'est à votre niveau. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit ici. Mais le problème, c'est à votre niveau. Il faut régler le problème de la vue. Sinon, vous allez voir qu'en bas, là, on a mis aussi mon nom. Pour certains, même vous allez constater qu'en bas, là, il y a votre nom. Mais vous n'êtes même pas en mesure de voir votre nom dans la liste des héros de la foi. Alléluia. Regardez, lorsque Paul... Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il trouve cet homme. Il veut le guérir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme dit, je n'ai personne. Est-ce que ça c'était la question? Hein? Veux-tu être guéri? Il n'aurait pas dû dire oui ou non. Hein? Oui, je veux être guéri. C'est comme ça le langage de la foi. Fais-le pour moi, Seigneur. Mais il dit, je n'ai personne. Le problème avec ses yeux, parce qu'il voyait que toutes les personnes qui étaient guéries là étaient guéries parce que quelqu'un, ils avaient quelqu'un qui les jetait.
Et comme lui, pendant tout ce temps, toutes ces années, il voyait que les gens avaient quelqu'un et que lui n'a quelqu'un. Il pense que si on n'a pas quelqu'un, on ne peut pas devenir quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire ce matin, si tu n'as pas quelqu'un, tu peux devenir quelqu'un. Alléluia! Ce n'est pas parce que tu n'as pas quelqu'un que tu ne deviendras pas quelqu'un. Avec la foi, même si on n'a personne, on n'a pas quelqu'un, on deviendra quelqu'un. C'est cela la foi. Ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avec la foi, on ne marche pas par la vue. Il n'a jamais vu quelqu'un guéri à sec. Toutes les personnes qui étaient guéries étaient plongées dans l'eau. Mais lui était l'exception. Celui qui devait être guéri à sec, sans l'intervention de médecin, dit je suis une exception. Alléluia. Enfin, Paul a compris que la foi n'aime pas l'incrédulité, la compagnie des incrédules. J'allais dire, pas l'incrédulité, mais la compagnie des incrédules. La foi n'aime pas ça. La foi n'aime pas ça. Dans Matthieu chapitre 14, verset 31, lorsque Jésus arrive chez Jaïrus pour guérir sa fille, et les gens pleuraient. Vous savez, souvent, nous laissons influencer par les incrédules. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissez vos amis. Si vous avez des amis qui sont incrédules, qui doutent, si vous avez des amis rebelles, vous finirez par devenir rebelles. Si vous avez des amis incrédules, vous finirez par devenir incrédules. Si vous avez des amis incroyants, vous finirez par devenir incroyants. Choisissez vos amis, ceux avec qui vous marchez. Jésus arrive, tout le monde est en train de pleurer. Ils veulent influencer Jésus et Jaïrus. Jaïrus a les yeux fixés sur Jésus et pas sur la foule. Elle dit, sa fille, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. Et là, dans certains pays africains, même il y a des gens même qu'on paye pour pleurer. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Et chez nous, aussi ça existe, on ne les paye pas. Mais cette hypocrisie existe. Les mamans, il y a un décès là. Elles font une foule avec le foulard là, les femmes sénégalaises la portent là. Hein? Elles bavardent en cours de route, elles parlent du tout et de rien, du prix du magie, du prix du tchèb, etc. Mais dès qu'ils s'approchent à quelques mètres de la maison, ils disent, on va pleurer à partir d'où? On dit, attendons s'approcher d'abord. Ça, c'est des pleurs, ça? Ça, c'est des pleurs? Elle dit, non, attendons d'abord à 5 mètres de la maison, on va commencer. Et puis à 5 mètres, tu vas voir une, la première qui est devant, qui dit ah! Et puis tout le monde dit ah! Et puis elle tombe à terre et on amène de l'eau. Ah! C'est terrible. Chez nous, c'est comme ça. Et ils ont pleuré. Jésus est arrivé, il a su que ces gens étaient des incrédules. Et ils ont la foi démoniaque. Personne ici ne croit que la fille là va ressusciter. Même parmi ses disciples, il est entré avec certains, Pierre, Jean et Jacques, et la maman et le papa seulement. Ceux qui croyaient, seulement, même parmi les disciples, tu n'as pas vu Thomas là-bas. Pas Thomas dans la chambre. Jésus a dit Thomas, Judas Iscariote. Hein? Tous ces gens-là, dehors, avec la foule. Tout le reste de ses disciples-là, dehors dans la foule, avec la foule. Vous restez avec la foule. Dès que Jésus est entré, il a dit, ma fille, lève-toi. Alléluia. Car tous ceux qui étaient là croyaient que le miracle était possible. Il y a ce qu'on appelle une atmosphère de miracle. Lorsque à l'église, vous avez une église où les 90% ne croient pas au miracle, dans cette église, il sera difficile d'opérer au miracle. C'est pourquoi je m'adresse à tous les intercesseurs, ceux qui sont dans le groupe de délivrance. Veillez à ce que tous les membres de votre groupe aient la foi. Sinon, programmez des délivrances en dehors d'eux. Mettez-les à l'écart comme Jésus avait fait. Demandez-les de rester à la maison. Demandez à tous ceux qui doutent. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire sur ce point-là. Un pasteur, et ça s'est passé en Casamance au sud du Sénégal ici. Et il avait la conviction qu'il allait ressusciter un mort aujourd'hui. Il s'est réveillé avec cette pensée forte. Aujourd'hui, je vais ressusciter un mort. Il prend les généraux. Ils étaient trois. Il dit, allons à la morgue.
Aujourd'hui, un mort va ressusciter. Il s'envoie à la morgue. Il y a celui qui était le jack principal là, qui était à côté de lui. Et il a dit au gars qui garde la morgue, il dit, ouvrez-nous. Ils ont négocié et finalement on les a permis et ils ont ouvert la porte. Ils sont entrés. Il a dit, il faut tirer un tiroir. Le premier mort, cadavre que tu croises, il faut le tirer. À peine on a tiré le cadavre, le principal de Jack était à terre, évanoui. Dès qu'on a tiré, il était à terre. Il a compris que l'atmosphère de miracle n'y était plus. C'est terminé. Il n'y a plus possibilité parce qu'il n'y avait plus d'atmosphère de miracle. Bien-aimés, nous avons besoin d'une atmosphère de miracle. Et l'atmosphère de miracle est créée par ceux qui sont là, les témoins oculaires de l'événement, qui doivent croire que ça va arriver. Nous y arriverons.